Bonjour, je m'appelle Théo Milev, donc je suis tatoueur depuis presque 20 ans. Donc je vais sur mes 35 ans, j'ai commencé super tôt le tatou, en fait j'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé à tatouer à Sofia en Bulgarie, donc, je suis bulgare d'origine. J'ai fait mes premières années là-bas et après très vite j'ai déménagé en France. J'ai commencé à travailler dans plusieurs boutiques en France petit à petit. Et dernièrement, depuis 6 ans, j'ai ouvert ma propre boutique sur Lyon qui s'appelle 681 Tattoo. Maintenant, on est 5 dans la boutique, donc je suis le patron. Je suis forgé pour la fête aussi. Du coup, j'ai commencé super tôt de tatouer. En fait, j'étais encore à l'école. Du coup, c'était très très difficile à gérer. Le matin à l'école, l'après-midi dans un shop comme apprenti. Mais j'étais super vite passionné par ça. Et depuis ces années-là, j'ai jamais arrêté de tatouer. En fait, j'ai même pas pris des grandes vacances depuis. Je pense que la plus grosse période sans tatouer, ça devait être 2 semaines. Du coup, j'ai voyagé beaucoup, j'ai rencontré plein de gens intéressants partout dans le monde. Le tatou, ça m'a permis de faire plein de choses inimaginables. J'ai commencé à tatouer parce que j'avais des voisins qui étaient tatoués entièrement par Stylian Smokov, qui est ici présent à Londres, qui a son stand avec son frère Kaloyan. Et du coup, vu que je dessinais depuis tout petit, en fait, je me suis dit que ça peut matcher les deux. Quand j'ai vu ces clients qui étaient entièrement couverts par des tatouages, j'ai trouvé ça génial. J'étais un gamin encore, donc j'étais un peu surpris, passionné, tout ce que tu veux. Et du coup, je me suis lancé petit à petit dedans. J'ai fait un petit apprentissage à l'ancienne, chez des amis, chez des tatoueurs. Je faisais l'arpète. Et petit à petit, ça l'a fait. Qu'est-ce qui me touche artistiquement? Artistiquement, ça reste toujours les peintures classiques, comme du Caravage. Je suis un grand fan de Caravage dans toutes mes inspirations. On peut dire qu'il vient de cette période-là, de tous les tableaux style Caravage. Pas que lui, mais ça reste dans la même époque. Quand j'ai eu ma fille. La naissance de ma fille, c'est bien sûr le moment le plus important. Peut-être on parle de plus important dans le tatou. Je ne saurais pas dire parce qu'en fait, dans la carrière d'un tatoueur, je pense que tous les jours, tu passes des paliers et tous les jours, tu as des moments spéciaux. En fait, que le jour même, ils sont les plus spéciaux. Aujourd'hui, je me suis fait tatouer par Tintin. Je ne sais pas dans un mois si je ne vais pas avoir une autre surprise. Je me suis fait tatouer par Oriyoshi quand j'étais au Japon. Ça, c'était un moment inoubliable aussi. Du coup, je pense que tous les jours, on a des surprises et l'avenir nous les garde pour l'instant. Ça s'est passé parfaitement avec Tintin. Je pensais avoir très mal, mais finalement, non, c'était super bien. Le meilleur et le pire d'être un tatoueur. Le meilleur, c'est peut-être les voyages, les rencontres, tous les gens qu'on croise partout dans le monde, parce que ça nous ouvre quand même les portes. Ça nous donne la possibilité de voyager librement et de rencontrer des gens géniaux, des artistes de tout style et tout univers. Le pire, peut-être pas assez de temps pour soi. C'est peut-être juste ça, mais c'est pas pire. Pour moi, le tatouage, c'est tout, c'est ma vie. Le conseil que je donnerais aux jeunes, travaillez beaucoup, parlez moins, c'est tout. Comment je vois le futur du tatouage? Comment je veux le voir, moi? Je voudrais que ça reste simple, que ça reste un partage entre les artistes, qu'on puisse continuer à vivre comme ça pendant de nombreuses années. C'est tout. Je voudrais pas que ça change beaucoup. Où j'ai connu Meta? On s'est connu sur des conventions comme ici, en fait, et j'ai vu les produits, j'ai mis du temps à connaître un peu le produit, grâce à Nando, il m'a bien expliqué la fonctionnalité et tout de Meta. Et effectivement, j'ai passé le pas, j'ai acheté une, j'ai acheté une deuxième, j'ai acheté une troisième, et maintenant j'ai fourni toute ma boutique avec des Meta, en fait, pour tous mes tatoueurs, parce qu'on est 5, plus les guests. Donc voilà, ça fait un petit mot. Il y a juste un mot pour expliquer Meta, c'est fonctionnel, c'est parfait. Si je revenais en arrière, je dirais la même chose que j'ai dit tout à l'heure pour les jeunes. Travaille plus, parle moins. Il n'y avait personne pour me le dire à l'époque. Où je me vois dans 5-10 ans, au même endroit que je suis aujourd'hui, travailler dans ma boutique, faire les choses que je fais et être avec ma famille.